Bonjour, je suis Ibrahim Assal, Cross Africa. Et c'est avec un grand plaisir que je vous parle du Forum mondial alternatif sur l'eau qui se tient à Dakar à partir du 22 mars, c'est du 22 au 28, au 6S, là où se tient d'habitude la foire de Dakar. C'est un rassemblement d'organisations de la société civile et des mouvements sociaux et qui estime que l'eau est un bien commun de l'humanité. Le Forum mondial se tient à Dakar, mais dans le cadre du Forum mondial, c'est l'occasion justement de poser un certain nombre de grandes questions qui sont extrêmement importantes par rapport à l'accès justement à l'eau potable et à l'eau pour des usages multiples. Et par rapport à la préservation de l'eau comme bien commun et non pas avoir seulement des opportunités d'affaires et un bien qu'on peut commercialiser comme on veut. Il faudrait veiller à ce que ça reste un droit humain, l'accès à l'eau. On a parmi nous des communautés qui ont des difficultés d'accès à l'eau pour plusieurs raisons, non seulement parce qu'il y a un manque de moyens, mais il y a également des pratiques discriminatoires qui font que certains groupes sociaux, certaines communautés ont beaucoup plus de mal. Et c'est le cas de ce qu'on appelle les DWD, c'est-à-dire des communautés qui subissent une discrimination du fait de leur ascendance ou du fait du type de travail qu'ils font. Dans le cadre de ce forum, il y aura donc plusieurs panels que Tross Africa organise, mais Tross Africa est co-organisateur du forum alternatif avec le Forum social sénégalais, bien sûr, mais également avec Africans Rising, avec le Congat et un certain nombre d'organisations et de mouvements sociaux qui sont d'un peu partout, dont un certain nombre qui sont basés au Sénégal. Et dans le cadre donc de ce forum alternatif, nous organiserons plusieurs panels. Et un va porter donc sur la question de l'accès à l'eau, notamment pour les communautés donc, qui subissent des discriminations particulières du fait de leur ascendance et de leur, du travail qu'ils font. Et il y a également une réunion de funders, de financeurs, de bailleurs de fonds qui appuient justement les organisations et les mouvements sociaux et les communautés par rapport à cette question de l'accès à l'eau, par rapport à l'eau comme bien commun, par rapport à l'utilisation, à l'usage donc, de cette ressource, qui est une ressource extrêmement capitale pour l'humanité, de manière durable, pour préserver les intérêts des générations futures et qu'on ne dilapide pas cette ressource importante ou qu'on la considère comme étant simplement quelque chose qu'on peut, dont on peut disposer et faire usage comme on veut, sans se soucier de sa préservation dans la durée. Voilà. Et donc, bienvenue à Dakar, bienvenue au Forum mondial alternatif sur l'eau et bienvenue à Tross Africa.